Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une méga rampe et je pars en dernière position. Ah ouais, bah moi j'étais trop près et je suis tombé. Ah bah pareil. Je suis tombé également, donc méga rampe plutôt Weekend Marines in the West. Méga rampe bouton ou pièce. La question c'est pourquoi tu dis bienvenue dans une nouvelle vidéo? Est-ce que t'as déjà dit une ancienne? Est-ce que t'as... Enfin, je sais pas. Bah non. Bah c'est alors pourquoi tu précises une nouvelle? On le sait pas, vu que... J'aime bien. Par contre, c'est les gars, je suis tombé. Et ça. C'est dur, hein, par contre. Hein. Moi, je l'ai en custom, les gars. C'est des biscuits ou quoi, les trucs là? Non, c'est. C'est, tu sais, les trucs du bunker. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, quand ça bunk. La plaque qui bunk, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, la plaque vrai, qui bunk. Bah oui. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai que c'est bizarre, ça me dit rien. Comment ça, la plaque qui bug? C'est vrai que j'ai pas tilté au début. D'accord, j'ai compris, ouais. Ah ouais, tu kilodis, ça qui bunk. Bah, heureusement que t'es là pour se demander ce qui se passe. Hein. Les gars, j'ai évolué, hein. Mais c'est Dany, il me met dans un délire bizarre. Ah ouais, Dany, il était. Je bug, tu bug. Dany, il a dit quoi? Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ah, moi, je suis prêt à tout entendre, moi, les gars. Aucun problème, aucun problème. Waouh. Mais c'est la salle, ça, qui a la Kaliakao blanche bizarre, là. Ouais, c'est moi. Tu vas me faire tomber la salle! Non, à la fin! Bah, moi après, aussi, hein, parce que tout le monde pousse, mais ah, sans faire exprès. Est-ce que tu penses qu'il y a. Non, on peut pas, je crois que c'est trop bas. Enfin, trop haut. Je suis tombé! La vérité, je suis tombé. En fait, faut sauter de truc en truc, quoi. Je veux pas aller genre à fond. Non. Tu sais quoi, Anine? Ouais. Je suis d'humeur généreuse. Ouais. Ah ouais, là, c'est des rigole pas, il bombarde à mort, lui. Je te donne 1000 euros. 1000 euros? Donc, ouais, net d'impôt, genre en liquide. Je te donne 1000 euros. Ouais. Si dans ton setup, tu fais un live dans lequel t'arrives... dans lequel t'arrives... Attends. En tout cas. C'est bizarre, cette histoire. Non, dans lequel t'arrives à flotter dans les airs, mais... Mais attends, mais sans rien toucher. À flotter? Ouais, sans rien toucher. En gros, je flotte, quoi. Par exemple, si tu t'accroches avec des fils, bah tu touches les fils, tu vois. Mais comment tu veux que je fasse ça? Bah tu touches à rien et tu flottes. C'est faisable, j'ai déjà fait. Tu manges de l'hélium. Genre, tu l'as déjà fait? Ouais. Ah ouais, et... Mais il faut que je réfléchisse toi, à un mécanisme, quoi. Mais c'est simple, la salle, en fait, ce que tu dis, je suis en train de me rendre compte. Bah ouais, mais on verra si... Ok, je suis chaud à relever le défi de ce live, les gars. Je vais réfléchir et je vous donnerai la date très prochainement. En plus, c'est les vacances en ce moment pour certains. Bah bon, pas pour les Parisiens, mais... ok, je relève le défi, la salle. Sachant que déjà, bah attends, là... la salle, je pense savoir, mais il flotte, c'est ça? Bah Eden, tu peux me dire, Il doit juste rien toucher. T'inquiète, je t'envoie 100 balles, Eden. Ah, tu partages, ok. Et j'ai précisé dans ton setup, parce que sinon, je sais, il va aller dans les trucs là où, tu sais, il y a du vent là qui te... Oh, tu sais que je l'ai fait, c'est incroyable, ouais, ça. Bah la salle, c'est incroyable aussi, ouais, c'est vrai. Je l'ai fait, ce truc-là, c'est insane, hein. À Paris, wow. À Paris, hein. Donc c'est... Je suis mangé la vitre 10 fois, mais ça va. Donc c'est dans le setup, hein. Dans le setup. Et je peux pas ramener le setup, je peux pas déplacer le setup, quoi. Non, mais tu peux déplacer la machine qui te fait voler. Ah oui, bah oui. ça va me coûter plus que 1000 euros, cette histoire. Ok, c'est 1000 euros en cash comme ça, quoi. Je vais les chercher direct. Mais quoi, mais ouais. Anune, tu fais un courant d'air entre deux portes, gros, c'est bon. Bah ouais, tous les bras, gros. Bah, les gars, si vous avez des idées... Tout ce que tu veux, ouais. Moi, je serai dans le live. Et à chaque fois que tu testes quelque chose, je valide ou pas. Ok. Bah si vous avez des idées dans les commentaires de comment flotter dans les airs. Moi j'ai peut-être une idée, tu prends un aimant que tu te remplis d'aimants, tu prends voilà les aimants comme ça. Ouais. Réfléchis parce que t'as le droit de toucher à tes vêtements, vu que c'est tes vêtements. T'sais, étant donné que tu peux pas être à poil. Voilà. Bah c'est tout, donc réfléchis bien. Mais est-ce que je peux. Ouais, je peux mettre des trucs dans les vêtements ou quoi? Tant que touches pas le sol, quoi, tant que j'ai pas de contact. Tant que tu touches à rien. En fait, t'as le droit de toucher que ce qui est sur toi, quoi. Et il peut pas prendre genre une combinaison, tu sais, des boules invisibles, la salle, là? Bah si, mais le problème, c'est qu'il va toucher la boule. Donc la boule, ok, ça fait partie de ses vêtements, mais la boule, elle va toucher quoi? Ah oui, bah ouais, c'est vrai. Si elle touche le sol, c'est mort. Hein.
Eden, faut qu'on réfléchisse, faut qu'on voit ce qu'on peut faire. Tu crois que je suis physicien, moi, pour réfléchir comme ça? Bah oui, ton pote, c'est Gérard Le Graviton. Ah oui, c'est vrai, bah attends, je vais l'appeler au pire. Appelle le voir vite fait, là. Non, mais tu sais que j'ai vraiment son numéro, mais je vais pas l'appeler. Ça se fait pas. En plus, je sais pas comment l'aborder. Genre lui dire bonjour, vous êtes Gérard, tu vois. Alors attends, parce que j'ai pas précisé, hein. Ouais. Pendant 4 secondes. Allez, ça commence maintenant. Bah, c'est 4 secondes. Bah, non, mon pote, t'as dit grave, là, tu rajoutes. Bah, 4 secondes, rajoute 400 euros alors. Ouah, le gros, non, mais lui, il a pas la valeur, lui, hein. Non, il y a des mecs qui travaillent toute la journée pour gagner 400 balles. En 4 secondes, il veut gagner 400. Non, je rigole, bien évidemment. Ok, 4 secondes. Non, moi, je pense, Anine, tu sautes. Non, c'est s'il saute la salle. Ouais, il peut. Mais pendant 4 secondes, tu dois pas toucher, tu dois toucher à rien, c'est tout. Mais tu l'as déjà fait, toi. Sûr et certain, genre certifié. Ah oui. Témoin à l'appui et tout. Ouais. Qui, par exemple, comme témoin que je connais? Houdini. Non, mais ça, t'es magicien, quoi. Le problème, c'est que j'avais un témoin, mais malheureusement, il est décédé. Ah. Oh non. Si. Aïe. Et bah, paix à son âme. Mais en tout cas, la salle, je vais essayer de relever ce défi. Dans les commentaires, n'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires. Hein, ceux mais qui comment on peut. Mais attends, je réfléchis, mais. C'est vrai. Tu manges de l'hélium à mort et tout, ouais. Là, t'es sûr de voler, mais bon. J'ai le droit de toucher à par exemple des ballons d'hélium? Bah oui. Tant qu'il n'y a pas de. Tant que le ballon d'hélium, lui, ne touche pas le sol ou les murs ou le plafond ou quoi, bah. Ah, mais oui. Il touchera une le mur parce qu'il va faire que de monter. Bah je capte. Non. Ah, quoique non, si tu mets. Non, en fait, non. Il y a moyen que non. All is possible. Et en plus, tu fais 40 kilos, alors c'est encore plus facile. C'est vrai en plus. Le problème, c'est que le ballon d'hélium va toucher le plafond. Donc. Ouais. Ok. Moi, j'ai une idée. Moi, j'ai une bonne idée, mais c'est dangereux, quoi. Ah ouais? Ouais, bah tu t'accroches à un cerf-volant, mais j'ai peur que tu t'envoles réellement, quoi, tu vois. Mais ouais, mais y'a pas de vent. dans ce setup, y'a pas de vent. Ah bah oui. Si, tu veux des ventilateurs. Bah ouais, le ventilateur de l'ordinateur, c'est assez gros pour une win. 1 000 000 c'est ramène ta carte graphique, la salle. Mais est-ce que c'est ton idée à toi, ou est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Genre. Non. Ton truc. Bah non. Donc t'es le seul. Est-ce que moi, je peux le faire, genre? Ça va être plus compliqué, on va dire. Ouais, hein. Avec le poids, ouais, donc c'est vraiment une question de poids. Est-ce que mais ça... toi, quand tu l'as fait, tu faisais combien? C'est ça la question? Voilà, je faisais moins de 70 kilos. Ouais, mais est-ce que pas ton idée, mais genre la manière de donc t'as plané, quoi, dans le vent, quoi. Enfin, flotté, quoi. Est-ce que ça demande du physique? Genre, Non. Ah, un gros ballon, je pense, hein. Ça demande rien du tout. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Et après, on n'a pas le droit. Plein de choses, hein. Comment? Ah, d'être porté, on n'a pas le droit à la salle? Bah non. Non. Bah ça dépend comment, ça dépend de plein de choses, hein. Bah des mecs suspendus qui portent nuit, le gars qui a pu. Tu vois ou pas? Mais comment tu veux qu'il me porte? Et d'ailleurs, je suis premier, les gars, donc. Il faut être inventif. De toute façon, t'as tout un live pour le faire, donc tu peux tester mille et une choses. Ouais. Ok, alors faut que je réfléchisse, mais j'ai des petites idées là déjà qui me traversent le crâne. Mais est-ce que ça va faire? Je ne sais pas. On peut avoir plusieurs idées, tu vois. Après, on dit planer, les gars, je suis en train de penser, mais on dit planer, enfin voilà. Mais on est d'accord que c'est du moment que ses pieds ne touchent plus le sol, en fait. Bah oui. Donc ça veut dire que théoriquement, moi j'imagine le fait d'être vraiment haut, mais non, tu peux juste décoller tes pieds du sol, en fait. Bah ouais. Bah c'est ça, en gros, je dois juste... en fait, je dois juste ne pas toucher le sol, si tu préfères. En gros, comme voler, quoi. Enfin, voler, tu m'as compris, quoi. Mais tu sais, les mecs qui font des statues dans la rue et tout, ils font ça, mais ça touche le sol. Ouais, ça touche. Mais le truc touche le sol, ouais. Donc, ça ne compte pas. J'ai réfléchi, mais ouais, faudrait. Tu sais, la scène, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au truc que t'as commandé, là. Ouais, quel truc? Tu vois le truc que t'as commandé avec les deux aimants, là? Ils se... Ah, les trucs... Oui. Les points de décoration. C'est vrai. C'est vrai que tu pourrais utiliser des aimants. Oui, et moi j'ai un aimant, Anune, si tu veux en plus. Ah, mais il faut des aimants de je sais pas combien de kilos pour me porter. Mais Anune, tu sais, il fait combien de kilos le mien? Ouais.
Il fait 1800 kilos le heat tract, si tu veux. C'est bon. Waouh. Wow. Dis-toi, je l'ai mis, les gars, vous savez que genre, je l'ai sorti de sa boîte il y a pas longtemps là. Et, ouais. Et dans mon garage, y a, je sais pas, il y a des morceaux, il y a des petits morceaux de fer un peu, genre un peu partout. Je l'ai sorti de sa boîte, ça a tout éventé d'un coup le sol, genre. 1800 kilos. Ah ouais. Il est énorme, il est énorme. C'est dis-toi, il est vendu et tout dans une boîte spéciale pour pas que voilà. Ah quoi. Ouais. C'est quelque chose quoi. Intérêt d'acheter ça, Eden, c'est pardon hein, de demander ça. Hein mais... Voilà, déjà il y a quelqu'un qui m'a dégommé ma course, je sais pas c'est qui. En fait, on me l'a donné, en fait. C'est moi. Enfin, c'est une marque. C'est toi qui m'as poussé par derrière. Ouais, je veux que tu te concentres sur le défi là. Mais je pense que l'aimant là et Nuit, en vrai, oui, il peut. En fait, il faudrait deux aimants et pose. Enfin, comment on explique la salle de non, même pas. T'en prends un, tu le mets en hauteur, et là, tu t'accroches à l'autre, et normalement ça te fait flotter. Ah ouais. Bah, Nuit, est-ce que dans ton plafond, il y a du fer? Parce que je te dis que le mien, dis-toi, une fois j'ai collé un tournevis dessus, j'ai galéré pour l'enlever, hein. Ah. C'est, le plus dangereux, c'est pas ça, ça va être avec les ordi et tout. Hein. Ah ouais, par contre, ouais, j'avais pas pensé à ça. Mais si tu veux, on peut réfléchir à ça, Lune. Hein. Ah, en vrai, je peux te le ramener, quoi. On peut, y a pas de souci. Je peux te le donner, quoi. Tu peux me le donner, mais le problème, c'est. Attends, après, là, tu le prendras, tu feras ce que tu veux avec, si tu veux. Je sais pas ce que tu veux, mais waouh. Il sert à rien, défi, en fait. Donc, tu dois pas toucher le sol. Mais toi, tu peux pas nous donner d'indices, du coup. Ah bah non, justement, le but c'est dans le live, c'est que tu fasses des tests, des essais. Si tu t'y prends à l'avance et que tout est déjà bouclé, autant faire une vidéo, hein. C'est pas un live. Ouais, ouais c'est vrai. Mais toi, tu es certifié, ton truc marche. Ouais. Ah mais toi, t'as la solution, là. Là, je te dis, vas-y, donne-moi la solution, je le fais en live, quoi. Bah, il y a moyen, ouais, mais il faut le nécessaire, quoi. Faire le nécessaire avant. Ah, je sais, Nune, comment on peut faire? J'ai trop bonne idée! Donc, t'as besoin d'un objet ou t'as besoin d'un humain? L'un ou l'autre. Nune, j'ai une idée de fou. Dis-moi. Tu prends deux souffleurs comme ça, tu sais, des souffleurs de pro, hein. Et tu les colles comme Iron Man. Et tu restes. Et tu fais, genre, tu vois comment? Hein? Ma parole, Nune, que toi, ma parole, tu voles, je te jure vraiment. Donc, dans le live, tu vas prévoir aimant, ballon d'hélium, quoi d'autre? Les souffleurs. Être humain, oui. Les souffleurs, ouais, ça peut être pas mal, ça, comme idée. Mais oui, souffleurs, je te jure. T'en mets deux comme ça, tu voles à Nune au cas où. Hein. C'est vrai qu'il y a un gros, gros ventilo, mais bon. Non, mais tiens, les souffleurs de fleurs, de feuilles, là, filou. Mais non, c'est mort. Tu attaches aux jambes. La salle, je vois, t'es 12e. Le problème, c'est que la salle, il l'a fait jeune. Est-ce que ton truc demande du budget ou pas? J'étais deux fois plus lourd que toi, hein, actuellement. Ah. Un souffleur alors, dans ce cas-là. Ouais, un souffleur de... Tu veux dire pour les... Ouais, pour les jardiniers les... ou quoi, là. Moi, j'ai un truc de feuilles, ouais. Ouais, d'accord. Ça ouais. Souffle, ce truc-là, les gars. Un drone, peut-être, hein, un drone qui soulèverait, non? Wow, non, mais non. T'abuses le drone, ouais, là, c'est chaud, hein. Faudrait les drones de cinéma là qui portent les 50 kilos machin, mais. Drone, problème c'est que dans le setup c'est compliqué. Et même ça, ouais, il faudrait un gros drone et tu peux pas le faire voler à l'intérieur quoi. Dani, t'as des idées? Ouais, ouais, franchement. Une mini montgolfière par exemple. Ah ouais, t'es chaud toi. Sinon, j'ai une idée, Anune, c'est bon, j'ai une idée. Ouais. En gros, on est d'accord, c'est dans le setup la salle. Ouais. Ok. Ta fenêtre, t'as une fenêtre dans ton setup. Ouais. Elle fait partie du setup jusqu'à que tant qu'on voit. Tu mets la caméra comme ça. Moi, je suis en haut de ton toit et je te tire avec une corde comme ça. Et toi, tu sors par la fenêtre comme les, tu vois, genre en mode suspendu quoi. Au-dessus de ta fenêtre. Ah hein mais. Tu touches le sol. J'ai l'idée dans ma tête, je te jure, faut l'imaginer. Et on te voit au loin, c'est pas grave, on te voit. Tu sautes de ta fenêtre en fait, mais moi je te tire donc tu vas remonter, tu vois comment? Mais. La corde, faut pas qu'elle touche un truc, c'est ça le problème. Bah elle touchera pas, si je suis au-dessus du toit par exemple.
Mal te touchera toi qui touchera le toit qui touchera la lune. Ouais, parce que, okay, en fait, même si l'objet touche un autre, qui touche un objet qui lui-même touche un objet. Un hélicoptère, touche... ouais. Un hélicoptère, c'est bon. Ouais. Une lune. Vas-y, go, hélico. T'inquiète, on peut en trouver des hélicos, c'est pas un souci, mais. Ouais, mais un hélicoptère dans le setup, mon pote, qu'est-ce que tu me racontes? Mais non, au-dessus de chez toi, qui te tire au-dessus et on te voit par ta fenêtre. La fenêtre fait partie du setup, que tu sois à l'extérieur de la fenêtre, oui, c'est possible. Oui, ça c'est vrai. Mais faire voler un. Après, je te mens pas, tu seras pas rentable, hein, les 1000 balles, tu les mettras. Tu mettras sûrement le double dans l'hélico, mais. Mais bon. Faut que l'objet ne touche pas le. Voilà, ouais, là, mais il faut qu'on réfléchisse à ça vraiment. Bah, en tout cas, si vous avez des idées dans les commentaires, dites-nous comment flotter. Et puis, comme ça, on fera le live et on verra, on fera plusieurs tests.